Alors, mon ami Joseph Gordon-Levitt, on va parler de toi beaucoup sur la chaîne prochainement. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que l'œil vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons partir en thérapie sexuelle avec Dungeon. J'ai toujours kiffé Joseph Gordon depuis son plus jeune âge. Le mec est parti à bonne école, il est passé devant la caméra de Nolan, Araki, Oliver Stone pour ne citer que. Quoique Oliver Stone, c'était sûrement après Dungeon. Bref, on s'en fout des dates. Et ici avec Dungeon, il est multitâche, il est au four et au moulin, il est sur tous les postes du terrain, auteur, réalisateur, acteur, pour lui donner un film beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît, surtout quand tu vois la bande-annonce. Parce que ça s'apparentait à un bro movie, un film de couilles, avec de l'humour sous la ceinture. Et sur la première partie du film, je ne peux pas donner tort à ses nombreux détracteurs, parce que c'est vraiment ça, parce que le film s'est fait un peu piller à cause de ça d'ailleurs. Et ça m'a valu beaucoup d'inimitié avec mes camarades de la gente féminine, parce que oui, c'était tout sauf romantique de voir un mec accro au sexe et qui le revendique, qui a différentes partenaires tous les soirs, c'est pas ce qu'aiment les nanas. Mais le film va beaucoup plus loin que ça, parce que ce n'est pas qu'une comédie. Il y a certes le côté rom-com qui existe, mais c'est pour moi avant tout un drame humain. Parce que l'addiction au sexe est rarement traitée au cinéma, et quand elle est faite, c'est souvent sous forme de comédie. Mais mon pote, y a rien de marrant, parce que quand ça t'arrive, t'es vraiment malheureux. C'est une véritable maladie, quelque chose que tu contrôles pas, qui gêne ta vie de tous les jours. On le voit très bien dans le film Shame de Steve McQueen avec Michael Fassbender, qui est vraiment horrible. Ce film m'a horripilé, c'était vraiment un film d'horreur. Quand tu vois ça, t'as même plus envie de te toucher ou de toucher n'importe quelle nana, quoi. Dungeon n'est pas à ce niveau-là, il y a de la légèreté, de l'autodérision par rapport au personnage de John Gordon-Levitt qui arrête pas de se torturer et de s'auto-charrier, parce qu'il va se déconstruire au fur et à mesure du film. Il va complètement chambouler son univers routinier entre sa salle de musculation, parce que le mec n'arrête pas de pratiquer, et bien balèze le Joseph Gordon d'ailleurs. Son appartement, sa voiture, le mec est hyper maniaque, il a construit son petit Eden avec tous ses vices qu'il assume, le mec va quand même à l'église, il va à confesse pour nettoyer hypocritement ses péché de la semaine pour repartir de plus belle. Il va également nous montrer sa famille, l'univers de John est très complet, et il nous montre un aperçu d'emblée de ce qui ne va pas. Tu sens une grosse friture avec son papa par exemple, et tu sens qu'avec la consommation de toutes ces femmes, il n'arrive jamais à se lier sentimentalement avec elle. Et le seul endroit où il va se retrouver épanoui, c'est face à son porno, c'est le seul endroit qu'il arrive à contrôler, parce que je pense que ce mec est un contrôle fric, qui se sent constamment en insécurité. Le mec fait le kéké, il se cache derrière ses muscles, mais en fait il n'a aucune confiance en lui. Et c'est souvent ça avec les maniaques, dès que tu changes un peu leur routine, les mecs pètent un câble. Et il va être bousculé dans ses incertitudes quand il va rencontrer Scarlett Johansson, qui est pour lui sa femme idéale, et idéale de pas mal de mecs. Et là, elle est plastiquement magnifique, en Jersey Princess. Et ça ne peut que coller entre eux, parce qu'ils sont tous deux issus de familles italiennes. Mais bien sûr, c'était trop facile, parce qu'ils vont voir qu'ils ne veulent pas les mêmes choses. Tu as Scarlett qui est ultra sexy, mais très traditionnelle. Elle a grandi avec toutes les rom-com hollywoodiennes, et elle aussi veut le prince charmant. Et c'est là que John va se faire mal, il va se cogner à un mur, parce que cette femme a un plan, elle ne fera pas de compromis, et elle veut contrôler le John. Et c'est ici qu'il va pouvoir entrevoir une issue salvatrice, de comprendre ses erreurs, de comprendre qu'il faisait fausse route, parce que le John va comprendre que sa vie n'est pas là. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à Dungeon, c'est l'évolution des personnages qui font des erreurs, et qui progresse. Et ça c'est beau dans le cinéma. Et Joseph Gordon est un très bon élève cinéaste, car il a parfaitement monté son film, en mettant un véritable drame humain à l'intérieur d'une comédie décomplexée. On va rire gras, on va même se faire allumer par Scarlett Johansson avec la plus belle scène d'allumage de tous les temps. Ça me serait arrivé à moi, je pense que j'aurais fini aux urgences tellement c'était violent au cinéma. Et là va commencer le chemin de la rédemption, avec sa rencontre avec le personnage de Julianne Moore, Esther, qui pour moi est le personnage clé du film. Elle va tenter de guider John vers la lumière, pour qu'il se retrouve avec lui-même et se connecte à autrui. Et c'est là que c'est beau, que c'est émouvant, quand je voyais cet épicurien qui vivait dans l'hédonisme le plus total, va commencer à relâcher la pression, il va commencer à se rapprocher un peu plus de sa famille. Il y a même cette scène hyper symbolique où il se dirige dans sa salle de musculation et tout d'un coup il s'arrête sur un terrain de basket pour jouer à un sport collectif. Il va travailler son corps différemment, il va faire une pause avec le banc de musculation pour jouer avec d'autres personnes. Tellement kiffant! Et tout va changer, tout va paraître plus doux, plus authentique. Ce n'est plus le même Dungeon, c'est John tout court. Même si c'est loin d'être parfait, il est déjà plus humain et pas contrôlé par ses pulsions sexuelles. Joseph Gordon a un sacré carnet d'adresses, parce qu'il y a des personnages qui le secondent qui sont vraiment magnifiques. En plus de Scarlett, il a déterré Tony Danza. Ici, il est aux antipodes du rôle qu'il avait dans Madame est servie. Un père macho, sans pitié avec son fils. Tellement violent et tellement crédible qu'il lâche des fucks. Brie Larson, qui est sa sœur complètement muette, mais qui fait très attention à son frère. Là aussi, ils avaient une relation très touchante. Julianne Moore, qui va éclairer le film de sa présence. Un chouette casting. Dungeon est un essai transformé par Joseph Gordon, aussi bien derrière la caméra que devant. Il a réussi à capter l'air du temps avec cette génération Tinder. Un film qui travaille bien ses thèmes. Le narcissisme, la religion, son rapport à l'autre, le culte du corps, le culte de la performance, que ce soit avec tes poids ou avec une nana, et finalement une très belle histoire sur le fait de s'ouvrir et de recevoir par rapport aux êtres humains qui t'entourent. Elle était belle celle-là. Ainsi, si tu n'aimes pas ce film, j'espère que je t'aurais fait revoir ta copie, sinon tu as tout à fait le droit de pas aimer et de m'insulter. Bienvenue pour Dungeon, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, est-ce que tu as vu Dungeon, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as vu Mr. Cormac, et ça on va en parler très bientôt parce que c'est de la bombe. Peace and love, avec des vrais sentiments.